Dans les années 74-75, on a reçu en dotation la première machine à commande numérique de la région grenobloise. Et c'est tellement vrai que quand cette machine a été installée et qu'elle a commencé à fonctionner, nous avions carrément les industriels de Grenoble qui venaient la voir. On a reçu des gens de chez Nerpic, des gens de chez Caterpillar, puis d'autres boîtes, Dragon, je crois, je me souviens plus très bien, qui venaient voir pour ce que ces machines. Il y en avait déjà aux États-Unis, mais chez nous, c'était des premières. C'est une Ratier Forest. Hein. Et alors, j'ai amené un petit ruban ici qui représente le programme informatique d'une de ces machines. C'est un ruban perforé avec des rangées de 8 trous. Alors c'est très technique, hein. Il y a le nombre de trous doit être pair, donc il y a un bit qui sert uniquement pour la parité, pour éviter les erreurs. Hein. Et la machine lisait le programme qui est ici.